petit LGX il m'a lâché. En fait, dans les gears qu'il y a ici, là sur les côtés, il manquait un roulement. Donc, ça a forcé quand j'imprime à haute vitesse. Et le pignon qui est ici, il a des dents cassées, quoi. Et ça, donc, ça bloque. On entend d'ailleurs, ça fait un bruit de grattage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé genre ça dessus. Et voilà quoi. Là, je teste pour voir ce que ça donne. Faut pas faire trop rapide. C'est un petit print. Bon, c'est un fichier configuré à 100 mm seconde, mais avec des moments lents et des moments rapides, quoi. Voilà, 50 par exemple. Bon, je vais pas rester puisqu'il faut plus ou moins 20 minutes avec cette vitesse, donc sur la XYZ à cube, voir ce que ça va donner. Hein. Ah, je suis un peu dégoûté parce que 100 euros le truc, quand même, hein, un peu fragile. Hein. Bon, après, il manquait un roulement et je l'avais jamais ouvert. Un oubli, maintenant j'ai demandé à Bontech, voilà, je lui ai expliqué. Est-ce que je vais recevoir ce petit roulement? Bon, j'ai changé le roulement, j'ai pris celui-là qu'on retrouve ici dedans, hein, ici. Celui-ci. Il y a un roulement, enfin il y en a deux ici. J'en ai pris un, je l'ai mis dedans. Mais bon, le problème, il a tellement forcé que. Là il est bloqué, pardon. Il y a un petit dur. Je sais pas, tu vois, on voit un peu les dents qui ont ramassé, quoi. Donc ça fonctionne plus correctement. Je voulais mettre le blanc, mais pour vu qu'il est serti dans. Peut-être même collé, j'en sais rien. Parce que j'ai l'impression que c'est le même, à part qu'il est blanc. Enfin voilà. Je vais acheter les pièces et en attendant, je vais utiliser celui-là. Parce que le pignon coûte pas cher, mais les frais d'envoi. Enfin voilà. Bon, ça, ici j'utilise avec le moteur DLGX parce que si j'ai utilisé la version originale, déjà il est très lourd. À lui tout seul, je crois qu'il fait tout le poids de tout le système qui est ici. Il est vraiment très lourd. Donc il faut vraiment acheter un petit paquet. Ce Bontech, c'est un LDO, je sais plus quel modèle, mais c'est un LDO, ça veut dire ça. Enfin voilà. Et franchement, il est silencieux, il est même plus silencieux que le LGX. Hein. Celui-là, c'est le triangle lave.